Salut tout le monde les gars, c'est Azen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va bien, moi ça super. Donc voilà, aujourd'hui petite vidéo d'achat-revente comme vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va faire un maximum de crédit en pas beaucoup de temps. On va doubler votre investissement parce que le mien pour l'instant il n'est pas encore élevé. Mais c'est pas grave les gars, on est là pour s'enrichir. Donc voilà, notre bénéfice de transfert il est de 418 000 crédits, ce qui est très peu pour l'instant, mais vous inquiétez pas, ça va augmenter très vite. Alors je vous montre un peu, je pense que vous allez comprendre très vite, ça sera des joueurs argent rare tout simplement à plus de 87 de vitesse. Nous donc entre 87 et 96 parce que c'est le maximum je crois, ouais c'est ça. Donc voilà les gars, petite astuce assez tranquille, assez basique et hyper simple à faire. Donc dans la description il y aura une liste de tous les joueurs, de tous les noms, vraiment un truc assez sympathique pour ça sera un gain de temps énorme pour vous. Moi je vais devoir chercher joueur par joueur et page par page. Donc c'est parti les gars, je vais vous montrer 2-3 exemples. Après on se retrouvera pour tout simplement pour vous montrer toute la liste des joueurs que j'ai acheté. Et pour bah, on les remettra en vente. Et on se retrouvera pour une troisième partie pour tout simplement la vente tout simplement des joueurs. Et le bénéfice à la fin bien sûr, en toute logique. Donc là on commence par Nabab. On a un petit Nabab à 250 crédits. On prend toujours par contre les joueurs à moins de 90 de vitesse. Il faut pas les prendre à 300, sinon c'est pas trop rentable et vous n'êtes pas sûr à 200% de le vendre. Donc les joueurs à plus de 90, vous pouvez les prendre à 300. Après je vous le déconseille quand même, mais ça part toujours de toute façon. Là, donc là on a deux joueurs à 90 de vitesse tout simplement. Donc là hop, est-ce que ouais, parfait, les deux ils sont à 250. Il y a 90% de chance qu'ils soient pas surenchéris parce qu'il y a personne qui le prend. Donc là par exemple, si je fais ça, le bénéfice sera pas énorme parce qu'il a moins de 90 de vitesse, mais je le prends à 300. Donc voilà, c'est un petit exemple. On va en prendre un dernier les gars et on va se retrouver tout de suite pour le petit débriefing de tous les joueurs que j'ai acheté. Alors est-ce qu'on va trouver, oh parfait, Coyote, un joueur qui marche très bien celui-là. Donc voilà les gars, c'est parti, on se retrouve dès qu'on a fini et dès qu'on a rempli l'objectif de transfert. Et donc voilà les gars, on se retrouve pour la mise en vente des joueurs. Donc voilà, tout simplement j'ai chopé une trentaine de joueurs. Donc là j'en ai déjà mis en vente, donc il n'y en aura pas 30. Et d'ailleurs on va faire une petite pause parce que ça prend beaucoup trop de temps de faire tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer quelques exemples. Hop, vous les mettez à 450 et à 500 en achat immédiat. Après vous, si vous êtes gourmand et si vous voulez attendre un petit peu plus, vous pouvez les mettre à 550 voire 600. Bon 600 ce sera pour vraiment les joueurs à plus de 90 voire plus de 91 parce que ce sera vraiment acheté rarement si vous les vendez à 600. Mais bon, après ça peut être une astuce, une autre astuce un peu plus économique. Donc voilà les gars, on se retrouve juste après dès qu'on a mis tout ça en vente. Et donc voilà les gars, j'ai tout listé sur la liste des transferts. Il y en a déjà, je crois qu'il y en a déjà deux. Non, il y en a déjà un qui est parti en seulement 10 secondes. Donc voilà les gars, c'était une petite pause assez cool. Donc voilà, je vais vous montrer tous les joueurs qu'il y a sur la liste des transferts. Donc il y en a Aldo, mais ça c'est notre technique. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment superbe. Pour moi, c'est la meilleure technique que j'ai jamais trouvée. C'est au moins au minimum 100 000 crédits par heure si elle est bien effectuée. Donc voilà les gars, je vous montre un peu je pense à partir de là les joueurs que j'ai mis. Donc voilà, c'est à partir d'ici toc. Et donc il y a deux pages je prends tout, il y a celle là, il y a celle là et celle là donc voilà, il y a environ trois pages et les gars on se retrouve dès qu'on a vendu tout ça. Et en tout cas j'espère que ça sera vendu d'ici une heure. Et voilà les gars, donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Enfin on va pouvoir voir ce que ça a donné. Donc voilà, tout simplement j'ai vendu 15 joueurs sur 30 parce que les 5 heures du matin. Donc voilà, évitez de faire ça la nuit, ce qui paraît logique, faites ça la matinée ou la journée. Donc voilà, j'ai acheté en gros 15 joueurs, c'est 3550 et j'ai eu 7000 de bénéfices de transfert. On va aller voir ça tout de suite. Hop, on va faire classement. Normalement j'ai 425 000. Et voilà, donc ils sont là les 425 000 crédits. Donc voilà les gars, en tout cas voilà, la preuve est là, on peut doubler votre investissement, d'où le titre de la vidéo, ce qui paraît totalement normal. Donc voilà les gars, en tout cas j'espère que ça t'a fait plaisir. Si tu veux notre vidéo d'astuces d'achat revente, tu lâches un gros like, il n'y a pas de souci. Ensuite si tu veux d'autres vidéos, d'autres thèmes, tu les mets dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner, tu peux liker et tu peux commenter. Je vous dis bye tout le monde, c'était Azen.